Bonjour les amis, ici Serge 1965 qui vous souhaite la bienvenue. Quelle belle journée pour parler du Seigneur et pour parler des saints aujourd'hui, à savoir qui sont les saints et qui pourrait se dire être un expert en canonisation. Eh bien, la Bible est claire à ce sujet, à savoir que tous les êtres humains, premièrement, devraient lire les Écritures, car Jésus lui-même avait dit à Satan, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Et pour débuter, mon deuxième verset, c'est-à-dire, se trouve au Lévitique, chapitre 19 et verset 2, où le Seigneur dit, l'Éternel parlait à Moïse, il lui dit, « Dis à Israël, dis-leur, vous serez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. » Alors, le Seigneur nous commande d'être saints, mais est-ce que c'est possible d'être un saint par nos propres forces? Eh bien, la réponse est simple, c'est impossible. Si je me fiais par mes propres moyens à devenir saint, j'aurais beaucoup de difficultés, et vous aussi. Il faut, je dirais, pour chaque être humain qui parvient au salut, se fier sur le pouvoir de l'Esprit-Saint de Dieu par un don de soi. Il faut apprendre à mourir à soi-même ici-bas et à donner notre âme à Jésus-Christ. Parvenir au salut, c'est la première étape. Et ensuite, je dirais, se déplacer dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, comme il l'a dit en Éphésiens 2, 8, 10. Dieu a préparé des bonnes choses. Il a un plan d'action pour nos vies. Il a un projet pour nos vies. Et ceux qui ont fait alliance avec lui, parce qu'ils ont compris que Jésus a donné sa propre vie à la croix pour les sauver, et en le remerciant, ces gens-là, comme moi, lui redonnent leur vie. On donne notre vie au Seigneur en retour, parce que notre vie maintenant est cachée en Christ, et nous lui appartenons en propre. Eh bien, cette vie sainte n'est pas décidée par un conseil d'aucune sorte, comme nos bons amis catholiques aiment le penser, et le Seigneur dira, « Mon peuple est détruit par faute de connaissances. » C'est dommage que la plupart de ceux qui se disent croyants ou chrétiens ne lisent tout simplement pas les Écritures pour comprendre ce qu'est un saint. Un saint, ce n'est pas de quelqu'un de parfait. Ma perfection à moi, moi qui supposément suis un saint, c'est ma perfection, c'est celle du Christ qui a performé à la croix la sainteté, le sacrifice parfait pour moi. Et aussi, le Seigneur, par l'inspiration, a inspiré Pierre à écrire le passage qui suit dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 9 à 11, il a écrit, « Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte, comme forains et étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l'âme. » Autrement dit, avant que vous parveniez au salut, vous êtes mort. Vous êtes tout simplement mort spirituellement, mort dans vos péchés. Et le jour où que vous réalisez le danger potentiel dans lequel vous êtes, vous appelez à Dieu de vous sauver, et c'est ce qu'il fait, il vous entend. Il est toujours prêt à entendre ceux qui vont l'appeler d'un cœur sincère. Et le jour où vous le faites, il vous scelle par l'Esprit Saint pour la vie éternelle avec Jésus-Christ. Ça veut dire que être chrétien, ça n'a rien à voir avec votre performance à faire des bonnes actions. C'est tout d'abord de reconnaître que vous avez besoin d'être sauvé. Et ce qui me différencie ce qui différencie les chrétiens de ceux qui ne le sont pas, c'est tout simplement qu'ils sont pardonnés. Nous sommes pardonnés, je dirais, du passé jusqu'à l'avenir, parce que Dieu est éternel et que nous avons besoin de reconnaître qu'ici-bas, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, et que nous avons tous besoin du Sauveur. C'est l'appel que Dieu nous lance à être saint. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. La seule chose que vous pouvez faire, c'est demander à Dieu de vous sauver, et ensuite, par son esprit, marcher dans sa voie parfaite à lui, par le pouvoir de son esprit. Et cette canonisation, bien sûr, vient le jour où vous demandez que Jésus-Christ, qui a payé pour vous, qui a versé son sang pour vous, et que le fait que son sang couvre vos péchés. Un dernier passage, aussi dans les psaumes,
le psaume 50, versets 4 et 5, qui dit, parce qu'il y a un jugement qui s'en vient, Seigneur, il est écrit, « Il appellera des cieux d'en haut et la terre pour juger son peuple. » Verset 5, « Assemblez-moi mes saints qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. » Et c'est exactement aussi ce qui s'en vient pour nous, parce qu'on sait qu'on y aura... Bon, rebonjour les amis, ici Serge 1965. Ah, les joies du direct. Ma caméra a manqué, mes batteries sont tombées à l'eau. Et voici où j'en étais rendu tout à l'heure. On parlait de la canonisation. Et oui, le Seigneur a un plan pour nos vies, mais aussi, si on revient au psaume 50, versets 4 et 5, le Seigneur va rassembler ses saints. Il a un jugement de préparer pour la terre, mais aussi il y a un jugement qui est préparé, qui sera effectué par les saints de Dieu, tel qu'il est écrit au psaume 149, si ma mémoire est bonne. Il faut comprendre que cet exercice-là sera performé par des gens comme vous et moi, et dans la justice de Dieu, que l'homme, l'être humain, par sa pensée charnelle, ne peut pas comprendre, doit tout simplement faire confiance à Dieu. Dieu nous prépare aussi pour ce jour. Et Dieu aussi, en ce qui a trait à la sanctification de l'être humain, Dieu est en parfait contrôle. C'est Dieu qui sanctifie, ce n'est pas l'être humain qui se sanctifie lui-même. L'être humain ne peut que se prêter à l'exercice par le pouvoir de l'Esprit-Saint. Et pour vous démontrer combien Dieu est en contrôle de toute situation, on n'a qu'à se rendre au psaume 57, 2, verset 2, qui dit « Je crierai au Dieu très haut, au Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. » Ensuite, on n'a qu'à aller au proverbe 16, 9, qui dit « Le cœur de l'homme se propose sa voie, mais c'est l'Éternel qui dispose de ses pas. » Même en proverbe 19, 21, il est écrit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. » Et finalement, en Proverbe 20, 24, c'est écrit, « Les pas de l'homme viennent de l'Éternel, et comment un homme comprendrait-il sa propre voie? » Eh bien, chers amis, l'Éternel est en plein contrôle de toute situation, la sanctification y compris, car la sainteté vient de Dieu, et seul Dieu peut achever l'œuvre qu'il a commencé en nous, tel que décrit en Philippiens 1, 6. Eh bien, pour ceux qui se disent experts en canonisation, ça, il ne suffit pas d'évaluer les bonnes œuvres d'une personne pour savoir si cette personne est sainte. Un saint, c'est une personne qui a fait une alliance avec Dieu, qui lui a donné sa vie. Ça veut dire qu'il est possible pour chaque être humain qui parvient au salut d'être appelé un saint. Ça veut dire que le jour où vous demandez à Dieu de vous sauver, vous êtes techniquement parlant un saint. C'est le message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, vous protège et que tous les membres de vos familles parviennent au salut. Au nom de Jésus, à la prochaine.